On décompose la chanson. L'histoire d'un titre avec Jean Fauck, parolier, chanteur, écrivain. Aujourd'hui, on décompose. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. C'est le temps. Le temps est un filtre. Un tube, c'est pas que c'est méprisant, tout le monde aime bien faire des tubes. Il y a peut-être une notion un peu plus d'éphémère, dans le temps on disait le tube de l'été. Cette chanson qui n'a pas été un tube à sa sortie, qui a eu une diffusion raisonnable, mais pas plus que ça, s'inscrit effectivement dans, j'en suis le premier surpris, une espèce de côté un peu patrimonial. C'est fou le nombre de gens qui en parlent encore. Dans les interviews, qui adore cette chanson, qui évoque beaucoup de choses, et tant mieux, parce qu'on ne peut pas le savoir avant, jamais on peut se dire j'ai fait une chanson pour qu'elle soit, qu'elle dure. On avait conscience que c'était une bonne chanson quand l'album a été terminé, mais je crois que si Alain était encore là, et moi-même, on n'aurait pas pensé que ça aille aussi loin et aussi longtemps, et c'est magnifique. C'est un peu l'auberge espagnole. Chacun va y trouver ce qu'il a envie d'entendre. Ça peut toucher pour plein de raisons. Chacun ou chacune va se raconter sa propre histoire. Elle est un peu open, donc elle est faite pour avoir un sens qui pourra peut-être changer au fil du temps finalement. Ouais. Mais je sais pas. Il y a pas de mathématiques dans les chansons. Il y a pas de logique. Sinon, on serait tous on connaîtrait tous les sommets. Elle s'est construite sur un peu les fondations de trois chansons différentes. Et là, c'était un peu comme ça. Il avait un cheminement un peu complexe où, à partir de chansons élaborées, commencées, des fois certaines supprimées, certaines qui n'avaient plus lieu d'être, mais il y revenait, il y a eu une chanson qui était plus légère au début, qui était un peu sur le ridicule. On va commencer à voir les jeux à la télé où les gens faisaient n'importe quoi. On leur dit qu'ils étaient prêts à se tuer pour passer à la télé, ce qui était le cas des fois en plus. Et on disait, les mecs, quand même, c'est complètement con, quoi, parce qu'il ne faut pas faire de deux jours. Et donc au début, ça part sur les jeux du cirque. Ça nous faisait penser aux jeux du cirque romain, qui n'étaient pas très rigolos. Il y avait quand même les gladiateurs qui se battaient, puis après, ou les mecs qui se faisaient bouffer par des lions avec Jules César, et la foule en délire, qui devait quand même rigoler quand il y avait un mec qui se prenait la lance dans la poitrine, ou l'autre qui se faisait bouffer par le lion. Donc ça partait de l'imagerie romaine des jeux du cirque. Alors il en est resté quelque chose, il y a les amphores, typiquement romains, il y a un jour au cirque, c'est le cirque romain en fait, non pas le cirque actuel, mais le cirque des jeux du cirque. Il y a la crique dans les amphores, parce que les amphores ça se trouve souvent dans une crique. Il y a cette imagerie qui est restée, et le type il est là... Donc il se vante en fait, alors ça c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est du vécu. C'était Alain Machoun qui est en plein divorce, et la séparation est douloureuse, comme souvent malheureusement dans ces cas-là. C'est pas clair, et on dirait la supplique d'un type qui sait plus quoi faire pour retenir, et qui dit, là aussi c'est très assez féministe, parce qu'il dit pas, il accuse pas l'autre, il dit qu'il a eu tort quelque part. Il veut juste surtout se vanter d'avoir fait des choses. On m'a vu dans le Vercors, au lieu de la résistance. Il fait croire que il s'invente toute une histoire pour frimer auprès de son dernier amour, essayer de la rattraper. Souviens-toi, j'étais gant de crin, geyser, histoire d'eau. Alors, ça fait déjà, ça c'est le deuxième sens, hein, c'est une séparation douloureuse. Et le troisième sens, ça qui nous a été donné un peu par l'actualité, c'est qu'à ce moment-là, on est en 96-17, et il y a un peu tout un tas de choses de l'époque de la Seconde Guerre, de la résistance, de la collaboration qui remonte à la surface, les procès... Barbie, Papon, le passé un peu flou de Mitterrand pendant
la Seconde Guerre. Donc tout ça, alors on en parlait, on dit c'est facile après de dire le monde est noir, blanc, les gentils, les méchants. Non, c'est une situation très complexe. Et la plupart des gens, c'était gris, c'était de l'indifférence. Il y a eu des engagements, bien sûr, que ce soit du côté de la résistance ou de la collaboration. Et là, il y a quelques allusions assez directes, hein. D'abord, on m'a vu dans le Vercors, donc le type, ils ont d'y avoir été. Il y a « Je prends des trains à travers la plaine ». Ces trains, c'est à la fois le type qui rêve à son amour enfui, et puis c'est malheureusement aussi les trains de la déportation. Travers la plaine jusqu'en Allemagne, ce sont aussi, plus positivement, les trains du mouvement des cheminots résistants qui ont été, où il y a eu un très fort mouvement de résistance dans le chemin de fer. Ce sont tous ces trains-là qui sont évoqués. Autour de la résistance, il y a la station balnéaire, c'est une allusion très cachée, il faut le dire, à Vichy, puisqu'il y a une station balnéaire, puisque c'est pas explicite. Et puis, il y a la seule allusion à peu près explicite, il y en a deux encore. Il y a dynamiteur d'aqueduc, là évidemment, c'est les résistants qui faisaient péter les aqueducs. Et il y a aussi, les. Enfin, j'ai dans les bottes des montagnes de questions. Il s'agit des bottes. Les bruits de bottes, ça n'évoque pas quelque chose de spécialement joyeux. Donc, il y a quand même, c'est parsemé de ces allusions. Et ce triple sens finit presque par faire une chanson assez cohérente, ce qui est assez étonnant. Fantaisie militaire, au moment de sa sortie en 98, a été très récompensée aux victoires de l'année d'après, puisqu'il y a toujours un an de décalage. Et c'est l'album qui a été choisi comme. Ils avaient choisi, attention, le choix était entre tous les albums qui avaient été récompensés. Hein. Et dans les albums récompensés aux victoires, c'est celui-là qui a eu le prix de l'album des 20 ans, et c'était très émouvant. Je me suis retrouvé tout seul, j'ai réussi à me faufiler en backstage pour arriver le premier dans la loge d'Alain, et on était tous les deux au début, et ça nous a fait. Et la première chose qu'on a faite, c'est qu'on. Ça voulait tout dire, on a attrapé. On a éclaté de rire, parce qu'on ne se prenait pas non plus au sérieux, ça faisait bon. Il y avait tous les souvenirs qui vadaient, les branleurs, le mot de 25 ans à Saint-Cloud. Et quand on voyait le parcours accompli, on s'est auto. C'était de l'autodérision, quoi. On s'est auto-moqué d'eux en disant, bon, ben à force de faire nos trucs dans la piole de HLM d'Alain, il en est sorti quelque chose quand même. C'était drôle. Donc c'était assez émouvant pour lui comme pour moi. Merci à vous et puis à une prochaine pour une autre chanson. À bientôt. On décompose la chanson. L'histoire d'un titre avec Jean Fauque, parolier, chanteur, écrivain. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens. Je m'en lave les mains.